Bienvenue sur la chaîne Alcine Gunpla et Figurines, aujourd'hui pour la présentation et la réalisation d'une maquette de la marque Tamiya. Il s'agit d'une maquette à l'échelle 1/72. C'est un hélicoptère de combat américain. C'est le RAH-66 Comanche, un hélicoptère qui, est, je crois, était mis en service dans le début des années 80. Je crois que c'était 83, 84, je crois, si je ne dis pas trop de bêtises, il me semble. Et c'est une maquette du coup qui est sortie chez Tamiya en 1998. Sauf que ce n'est pas une maquette Tamiya, hein, c'est une maquette à la base de la marque Italeri qui est sortie en 1996. Donc en fait Tamiya a juste refait un reboîtage. C'est une maquette qui va être dont les moules vont être repris par beaucoup de marques différentes au fur et à mesure des années. Je crois que la dernière marque qui a ressorti du coup cet hélicoptère, c'est Revell dans les années 2000-2010, je crois. Donc voilà, c'est un hélicoptère qu'on retrouve dans beaucoup de marques de maquettes. Mais le moule est quasiment identique. Hein. Je crois que en dehors du reboîtage, je crois que chez Revell, on a des calcos un peu différentes, quelques ajouts, d'autres nuances de couleurs possibles. Mais bref, la maquette en elle-même reste la même. Voilà. Donc c'est une maquette sortie à l'échelle 1/72. Donc je l'ai dit, un hélicoptère de combat américain. Voilà, je m'entraîne un petit peu à faire quelques petits hélicoptères par-ci par-là avant d'attaquer Supercopter parce que voilà, j'ai pas envie de me louper. Les hélicoptères, ça demande une technique un peu particulière puisqu'il faut, c'est un peu comme les avions, hein, il faut d'abord faire l'intérieur, puis on assemble le fuselage, on fait disparaître la ligne d'assemblage entre les deux fuselages, et puis ensuite on attaque tout le reste. Donc ça veut dire que la peinture c'est beaucoup plus délicat, il faut pas se louper sur le masquage des visières, il faut pas non plus se louper sur les trains d'atterrissage, les choses comme ça, c'est toujours un peu plus compliqué à manipuler. Voilà. Alors au niveau de la boîte de cette maquette, donc on va retrouver du coup une image hein, souvent sur les maquettes de cette période de la marque Tamiya, hein, avec la maquette montée et peinte, directement présentée, hein, donc on n'a pas une image de synthèse ou une photo ou un dessin, c'est directement la maquette, on voit le résultat, ce qu'elle donne une fois montée, donc c'est pas mal. Ici on va avoir du coup une vue de l'hélicoptère à la fois de face et de côté, qui nous permet d'apprécier tous les détails au niveau des gravures hein, de la carlingue de l'hélicoptère, les détails des décalcos, etc. Les couleurs qui sont assez jolies. Ici, on va retrouver les mêmes informations que sur la face de la boîte. Hein. On voit que cette maquette numéro 39 hein, dans cette série proposée par Tamiya. La Ward Bird Collection, hein, donc les avions via avions et hélicoptères de guerre voilà, de cette collection-là, hein, proposée par Tamiya, c'est du 1/72. De l'autre côté, on va avoir d'autres images du modèle avec une très très belle verrière, on voit bien l'intérieur de cet hélicoptère. Voilà. Et puis ici, on va avoir le guide des peintures, hein, toutes les peintures dont on va avoir besoin pour réaliser cette maquette, avec les références du coup Tamiya. Au niveau de la couleur principale de l'hélicoptère, ils partent sur la référence d'une bombe de peinture, mais cette référence existe tout à fait en peinture en pot. Voilà, c'est ce que j'ai fait, moi j'ai pris l'équivalence en pot, puisque je n'allais pas acheter une bombe de peinture, j'ai horreur de peindre à la bombe de peinture. Donc voilà. Et puis voilà, on a fait le tour. Pour la boîte, on a terminé. Ce que je vous propose, c'est de regarder le manuel d'instruction qui est fourni avec cette maquette. Donc il se présente de cette façon, avec du coup, encore une fois, le modèle assemblé, quelques informations évidemment en japonais. Derrière, on va retrouver du coup le contenu de cette maquette, qui va se composer essentiellement de deux grappes, hein, une grappe A, une grappe B, avec chacune une moitié du fuselage de l'hélicoptère, et puis une toute petite grappe ici qui va juste contenir la verrière de l'hélico. Voilà, donc ici on va retrouver les pales de l'hélice, toutes les petites bombes qui sont ici, le petit machin qui permet de porter les bombes en deux parties assemblées, ici le truc principal de l'hélice sur lequel on va venir coller les pales, voilà, la petite hélice arrière,
tout ce qui est panneaux, on peut faire l'hélicoptère soit avec les panneaux ouverts ou les panneaux fermés, hein, que ce soit pour les trains d'atterrissage ou les trains de sortie de bombes. Et puis si on va avoir le cockpit à l'intérieur, voilà, avec les sièges ici et pas de pilote évidemment avec cette maquette. Au niveau du montage, on va commencer comme souvent avec les hélicoptères et les avions par le cockpit. Un montage qui ne représente vraiment aucune difficulté, hein. Tout est bien expliqué. La notice a bien été refaite par Tamiya, hein. Donc elle est tout à fait compréhensible, lisible, on voit bien les détails. Ici, on va assembler du coup le cockpit avec le fuselage. Ne pas oublier d'insérer du coup la mitraillette avant, le petit radar dessus. On va bien nous expliquer avec un petit voilà, un petit tournevis, mais un petit je ne sais plus le nom. Voilà, on a des petits trous qui sont préfaits à l'intérieur et qu'il va falloir du coup venir faire franchement pour pouvoir ensuite attacher les petites ailettes sur le côté. Donc on assemble évidemment tout le fuselage. Et puis ensuite, on va attaquer du coup tout ce qui est détail avec du coup les bombes, les panneaux hein, qu'on peut laisser ouverts ou fermés, les trains d'atterrissage si on souhaite les mettre. Et on finit avec l'hélice. On assemble l'hélice, les petites ailettes sur les côtés, on met les bombes. Et puis on termine du coup avec le guide de peinture. Donc une seule version possible hein, au niveau de la peinture à faire. Et puis on a les autocollants avec du coup le nom des pilotes qui pilotent cet hélicoptère. Donc c'est un modèle bien défini. Voilà, bah écoutez, on a fini pour la présentation de la boîte. Évidemment, je ne vous présente pas les grappes puisque j'ai fini de monter ce modèle. Donc, ce que je vous propose tout de suite, bah, c'est de se retrouver dans la cabine photo pour vous montrer le résultat, ce que donne cette maquette une fois montée, peinte et vernie. Allez, on y va. Et voici donc ce que donne donc cette maquette, hein, le RAH-66 Comanche de l'armée américaine. Donc, un hélicoptère vraiment très très cool visuellement. Déjà, je le trouve vraiment très stylé. Il a été très sympa à réaliser, hein, pas de difficultés particulières, hormis voilà, les deux fuselages du coup à bien assembler sans rien oublier dedans, faire disparaître un peu les lignes d'assemblage. Et puis voilà, hein, y aller doucement, par minutie, hein, pour poser les différentes portes ouvertes, missiles et compagnie. Pareil au niveau de la peinture, bah, pas de difficulté particulière hein, puisqu'on a une couleur assez unie hein, sur l'ensemble de l'hélicoptère. Quelques petits détaillages, voilà, ne pas oublier de faire les petites parties jaunes sur les hélices de l'hélicoptère. L'hélice arrière et l'hélice principale tournent, hein, il y a un système qui permet de les fixer tout en permettant de les faire tourner. Bon, voilà, c'est un peu gadget, mais ça a le mérite d'exister. Niveau des décalques, on sent hein, quand même que c'est des décalques qu'ont quelques années au compteur. Hein. Difficulté à les détacher, hein, même après les avoir fait tremper un bon moment dans de l'eau chaude. Donc, oui, des décalques qui ont vieilli, tout simplement. Sinon, ils sont pas trop épais, on n'a pas d'effet de silvering. Hein, j'avais bien verni en brillant avant. Voilà, bah écoutez, c'est une maquette au final que je trouve vraiment très sympa. Si vous aimez les hélicoptères et que vous avez envie de vous en faire un assez sympa et qui a une bonne gueule, et bah écoutez, je vous le conseille. Hein. Donc, c'est un kit qui date du coup de 96, mais qui est tout à fait d'actualité, hein, vraiment un kit de bonne qualité. Je rappelle que là c'est la marque Tamiya, mais que c'est les moules issues de Italieri. Donc rendons à César ce qui appartient à César. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que du coup cette petite présentation vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous faire une idée sur cette maquette, hein, sur ce qu'elle vaut, sur le résultat que ça donne une fois terminée. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde!